Alors bonjour, voilà, je m'appelle Joëlle Milquet, je suis belge. J'ai toujours été quelqu'un de très impliqué au niveau démocratique et social et politique dans son pays, puisque j'ai été tour à tour à la fois présidente d'un parti national belge et puis ensuite vice-première ministre et ministre à la fois de l'emploi et puis de l'intérieur et puis de l'enseignement, de la culture, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Et j'ai toujours été passionnée par le service à l'intérêt général et à la gouvernance publique dans mon pays, mais aussi au niveau européen et au niveau international. Et à ce titre, je suis vraiment ravie d'avoir été choisie par ECCAES, le Centre européen d'appui électoral, pour devenir leur nouvelle présidente de leur comité stratégique, parce que j'adhère complètement à leurs objectifs qui visent à soutenir la démocratisation dans les pays en transition, à pouvoir offrir une assistance électorale multidisciplinaire à leurs différents acteurs démocratiques de la société civile, des acteurs publics, les médias, et à permettre aussi d'offrir des formations à la démocratie, aux droits humains, à l'état de droit et aux standards démocratiques et électoraux. Et par ailleurs, comme européenne tout aussi convaincue, j'apprécie beaucoup la manière dont le Centre européen inscrit son action dans les nouvelles stratégies de partenariat de l'Union européenne, dans le nouveau contexte des projets Team Europe qui visent à rassembler derrière une seule bannière à la fois l'action de l'Union européenne et des États membres. Et je me réjouis de pouvoir désormais mettre mon énergie et mes compétences voilà, au service d'un idéal démocratique, tant en Afrique qu'au Moyen-Orient et dans les autres pays où ECCAES développe son action. Et je suis par ailleurs vraiment très contente de pouvoir rejoindre une équipe qui est à la fois diversifiée, à la fois multiculturelle, sur le terrain et qui a énormément d'expertise.